Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas possible! Lily Rose, t'es là? Lily Rose! Oh non! Lily Rose! Oh non, arrête là, si c'est pour me faire peur, ça me fait pas rire du tout! Là, c'est la peur de ma vie là! Oh, c'est pas possible! C'est quoi ce miroir? Attendez, attendez. Oh, c'est bon, ça a été filmé normalement. Oh, salut à tous les amis. J'espère que vous allez bien. Moi, là, ça va absolument pas du tout. Je viens d'avoir la peur de ma vie. Et c'est pas terminé. Oh, je pense que vous l'avez vu. Je pense que ça a été filmé. Le miroir, il a commencé à faire un truc bizarre. Qu'est-ce que je vais faire? Elle est passée où? Bon, je vais vous expliquer. Bon. On était dans la chambre de Lily Rose. Et là le miroir, bon vous savez ce miroir ça fait plusieurs semaines que c'est notre père qui l'a acheté à la braderie. Il l'a acheté dans une braderie. Et en gros ce miroir il est maudit, il est hanté. À chaque fois qu'on se regarde dedans, on entend des sons étranges. Ou on se regarde dedans et d'un coup on a plein de boutons sur la tête. On se regarde dedans et l'autre fois c'était horrible. Lily Rose elle s'est regardée dans le miroir et d'un coup son nez il est devenu énorme. Elle, enfin bref c'était horrible. Et là on était en train de parler, on était en train de faire les devoirs de Lily Rose. Voilà on était en train de faire ses devoirs de français. Et là on entend le miroir trembler comme ça. Et d'ailleurs il a même fait des traces sur le mur, regardez. Il a fait plein de petites traces sur le mur. Le miroir il a tremblé. Il s'est mis à trembler comme ça. Et d'un coup on l'a regardé. Lily Rose a regardé le miroir. Et là d'un coup il y a eu un éclair bleu comme ça autour. Et elle est rentrée dedans. Comme ça. Je sais pas si on l'a vu. Je pense que l'éclair bleu j'ai réussi à le filmer. Mais oh là 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 c'est pas possible. Fais pas Pink. Ah t'es là. C'est bon. Mais c'est quoi, je t'entends parler fort là. Viens, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qui se passe encore, Stéban? Le miroir. Le miroir du grand Shambhala. Oui, ça a recommencé. Me dis pas que ça recommence là. Si, ça recommence. Parce que la dernière fois, j'ai eu des grandes oreilles là. Ah, mais cette fois, c'est pire, c'est pire. Ah oui, parce qu'il s'est passé tellement de trucs. La dernière fois, Peppa Pink se regarde dans le miroir. Ses oreilles. Énormes. Voilà, 10 fois plus grosses que d'habitude. Le nez de Lily Rose, 10 fois plus gros que d'habitude. Moi, j'avais eu plein de boutons. Des fois. La nuit, alors ça c'est un des trucs les plus flippants. La nuit, on voit des fantômes dans le miroir. On voit des gens, comme si qu'il y avait des gens de l'autre côté du miroir. C'est un truc, bon, écoute, je vous raconterai ça plus tard. Je t'avais dit de le mettre à la cave, Esteban. Mais non, mais à chaque fois qu'on le met à la cave, il revient ici, il réapparaît ici. Bon, écoute, je vais t'expliquer ce qui se passe. Je vais t'expliquer ce qui se passe parce que c'est une catastrophe. Donc Lily Rose s'est regardée dans le miroir, me demande pas pourquoi. Et ensuite, elle est rentrée dedans. Comment ça? Elle est comme rentrée dedans. D'un coup, elle a été poussée dedans comme ça par une lumière bleue incroyable. Et tu l'as vu? Mais c'est même pas que je l'ai vu, c'est que j'avais la caméra parce que j'ai filmé. J'ai voulu filmer quand le miroir était en train de trembler. Et au moment où j'ai commencé à filmer, paf, une grosse lumière bleue, Lily Rose qui rentre dedans, une catastrophe. Mais comment on va faire pour la... Non, te regarde pas. Et oh, oh, oh. Bon, d'ailleurs, on va mettre une couverture dessus. Vas-y, bon, on va prendre ça. Mets une couverture sur le miroir, il faut que personne se regarde. Hop, vas-y, tiens, prends ça. Et oui, ça marche même sur les animaux. Parce que même nos chats, vous savez qu'on a 2 chats. Des fois, quand ils passent à côté du miroir, d'un coup, leurs moustaches, elles deviennent énormes. Ou leurs oreilles, elles deviennent énormes. Ils ont plein de poils qui poussent partout. C'est la cata. Bon, allez, on va le recouvrir comme ça. Des fois, ils ont commencé à aboyer. Ouais, des chats qui ont commencé à aboyer. Hein. Ils miaulaient pas, ils aboyaient comme des chiens alors que c'est des chats. Allez, vas-y, prends-le. On va... Attends, mais attends, je pense à un truc. Vas-y, quoi? Attends, attends, attends. Lily Rose. Ouais, mais oui, attends, attends. Comment faire? Si elle est rentrée dans le miroir, si on jette le miroir à la poubelle, si on s'en débarrasse, comment on va récupérer Lily Rose? Comme on avait... Ah ouais, non, ça s'est jamais passé, ça. Mais non, personne n'est jamais rentré dans le miroir. Attends. Bon, vas-y, on va... Attends, avant, enlève la couverture un petit peu. On va essayer un truc. Il y a la sorcière qui m'a donné ce produit-là. Elle m'a dit que ça fonctionnait bien contre les objets maudits. Oh, t'as qu'à essayer, vas-y. On va en mettre un petit peu dessus comme ça. Ben, regardez. Mets en plus, vas-y, vas-y. Ouais, ouais, bah après, on va pas. Regardez, là, il est tout mouillé, là. On va peut-être pas en mettre trop. Ouais, ouais. Bon, écoutez, on va attendre, les amis. On va attendre 5 minutes pour voir s'il se passe quelque chose. En espérant que la petite potion de la sorcière fonctionne. Bah, sinon, comment on va la récupérer? Ouh là là. On a attendu 10 minutes. Il se passe toujours rien. Bon, l'avantage, c'est que comme il y a plein d'eau dessus, comme il y a plein de potions, on n'arrive pas à se regarder, donc il est plus dangereux. Mais rien. Attends, chut. T'as entendu? Lily Rose, tu m'entends? Attends, chut. T'as entendu ou pas? Pas
Vraiment? J'entends comme des rires ou des cris ou... Lyra, c'est toi? J'entends comme des rires ou des cris. Mes amis, je sais pas si vous entendez, mais il y a quelqu'un dans le miroir. Attends, oh, excuse-moi. Oh là, je l'ai cogné. Vas-y, retourne-le. Retourne le miroir. On va essayer de regarder. Ah là, il y a une plaque. Peut-être qu'en enlevant ça, peut-être qu'en enlevant cette plaque, on peut... Je sais pas, peut-être que Lyra, elle est entre les deux, entre le miroir et cette plaque-là. Bah non, c'est pas... Il y a quelqu'un. Il y a des clous là. Il y a quelqu'un. Bon, on entend, moi j'entends encore ce rire. Y'a quelqu'un? T'es coincé dans le miroir? T'es dans un autre monde? On entend plus. Mais là c'est toi, arrête de te moquer de moi. Non mais on n'est pas en train de rigoler. Faut retrouver Lily Rose. Bon écoutez, on n'a pas le choix, on va apporter ce miroir dans... On va l'apporter dans la forêt. On va l'apporter à la sorcière, parce que la sorcière connaît très bien ce genre d'objet maudit. Et on va lui demander comment il faut faire pour récupérer Lily Rose. Sa potion n'a pas marché. Bon allez, vas-y, emballe-le. J'ai peur que de le casser quand même hein. Bah t'as peur de le casser, mais si on le laisse ici, on va jamais récupérer Lily Rose, c'est sûr. Bon allez, reprends la couverture. Hop, tiens, prends ça. Allez, hop, on l'emballe. Les amis, on va le rapporter dans la forêt de la sorcière, en espérant qu'elle va vouloir nous aider. Voilà, on l'a plus trempé qu'autre chose. Regarde, on a mis tellement de potions qu'il est ultra mouillé. Mais bon, voilà. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut bien récupérer Lily Rose tôt ou tard. Mais moi, je suis sûr que ce miroir, il a plusieurs centaines d'années. Il est très vieux. Je suis sûr qu'il y a plein de personnes enfermées à l'intérieur. C'est peut-être ça, les rires qu'on entend et même les fantômes qu'on voit dans le miroir la nuit. Je suis sûr que c'est ça. Je suis sûr qu'il y a plein de gens enfermés. Ça tombe en libérant Lily Rose. Dedans, il y a 15 personnes enfermées et on va libérer plein de fantômes trop bizarres. Mais bon, si c'est dans la forêt... Oui, non, allez vite, on l'emmène. Oh, non, je vais pas libérer... Si, vite, dans le garage. On prend la voiture, on va dans la forêt. Oh là 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 là. C'est une catastrophe, cette maison. Et dans le coffre, je viens d'appeler la sorcière. La sorcière, maintenant, elle a un téléphone. On lui a donné un téléphone. Comme ça, quand elle a des problèmes dans la forêt... Ah, mais attends, je suis en train de parler à la vidéo. Quand elle a un problème, elle nous appelle. Et là, je lui ai dit, ouais, est-ce que t'as un remède pour les miroirs magiques, tout ça, Lily Rose, elle est enfermée. Qu'est-ce qu'il y a? C'est des trucs bizarres, regarde, il tremble. Le miroir, il tremble? Oh non, moi, je le lâche. Hein. Mais non, mets-le dans le coffre, on y va. Allez, attends, vas-y, prends-le. Ah! Mais regarde! C'est quoi ça? Pourquoi il tremble comme ça? Ah, mais il arrête pas de bouger. Non, moi, j'y touche plus. Hein. Ah, ça tombe, il veut pas partir de la maison. Non, vite, attends, mets-le dans le coffre, vite. Voilà, attends. Allez, mets-le dans le coffre. Vite, on le pousse. Ça regardez. Difficile. Allez, hop, sur la litière. Allez, vas-y. Oh là là. Vas-y. Il est de plus en plus lourd en plus. Attends, on continue à entendre les rires. Ah bah oui. On continue. Vous entendez? Ah, c'est de plus en plus fort. Non, moi j'y touche plus. On entend les rires. Lily Rose? Attends, lève la couverture. C'est toi Lily Rose? Lily Rose, t'es là? Lève la couverture. Oui. Lily Rose, t'es ici? Attends. Elle est là? Non, elle est pas là. Il y a rien, on voit rien dedans. Lily, c'est toi? T'es ici? On n'entend plus. Ah, les rires, c'est vraiment bizarre. Bon, allez, mets-le dans le coffre. Vas-y, on file dans la forêt et on va essayer de la retrouver. J'espère qu'on va pas mettre trop de temps. Lily Rose, si t'es dans le miroir, t'inquiète pas. On va dans la forêt, on va t'aider, on va voir la sorcière. Elle aura plein de réponses à toutes nos questions. Bon, allez, dépêche-toi. Bon, les amis, je sais pas si on va tout filmer. Je pense qu'on fera un deuxième épisode. Pourquoi la lumière s'éteint comme ça? On fera peut-être un deuxième épisode sur le miroir hanté. En attendant, abonnez-vous à la chaîne pour pas le rater parce qu'on va le sortir bientôt. Et en attendant, allez voir, on a plein d'autres vidéos. Cliquez sur la vidéo qui apparaît ou allez voir une autre vidéo sur notre chaîne. Il y en a tellement. Faites-vous plaisir. À la prochaine. Ciao. Allez, dépêche-toi, c'est bon, on y va.